Bonjour à tous. Bonjour. Salut Pascal. Ça va? Ouais. Ouais. Pink. Pink. Ben non. Pink. Violette. Violette. Non, c'est violette, monsieur. Ça pourrait être pink, mais c'est violette. Je suis daltonos. Je suis daltonien. Ouais, je crois. C'est un violet. Ouais. Un violet clair. Ouais. Hein? Bon là. Alors là. Oui. Quoi? Là. C'est violet. Bon allez, dis-moi, c'est quoi? Paul Reed Smith. Paul Reed Smith. Et Red, oui. C'est rouge, moi je comprends pas. Ça je comprends pas. C'est pas Red, c'est Reed. Paul Reed Smith. Et donc Reed. La magnifique Custom 24 SE Quilted. Donc Quilted, c'est nid d'abeille. Regarde ça. Bloup, 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 bloup. Magnifique. C'est joli, hein. En violette avec la tête assortie. C'est joli, hein. Ouais. C'est joli, hein. Bon, derrière, hein. Et noir. Voilà. Avec le manche collé. Et peut-être méca. Non, non, c'est beau, c'est beau. Très c'est fin, sympa, très beau, c'est sympa. C'est une jolie guitare, hein. Alors, ça, c'est fabriqué en. Ben alors. République. Ah ouais. Corée du Nord. Yeah. Arrête tes conneries. Allez, dis-nous. Putain, mais on peut pas. Indonésie. Indonésie, bien sûr. Indonésie, la fameuse usine PRSSE d'Indonésie. Bon, alors, on sait la qualité du matos qui sort de là-bas. Voilà, donc on a une Custom 24, du coup, à double cut, hein, tech, comme la Custom 24 qu'on connaît. 8515S en micro. Un petit chevalet avec un vibrato qui est d'habitude là, mais qui n'est pas là. Non, parce qu'on ne l'a pas monté la tige. Il est dans sa housse. Ouais. Après, on a un push-pull, tac, pour splitter les micros. Un sélecteur, trois positions. Tac, ok. Et une touche en ébène avec les osios. Les fameux osios. Ébène sur la touche. Hein. Eh oui. J'y vais, je balance, on est à 1100 balles. Ouais. C'est 1100 balles, ça le fait, hein. Bon, je fais un petit coup clean. Vas-y, un petit coup de clean. Avec justement avec les splits. Un truc simple. Hein. Encore une fois, c'est pour qu'on l'entende. Eh, hey, puis j'ai pas parlé d'un truc. Ouais, t'es branché dans. Un Black Star, mais attention. Une Black Star HT20 ERMK3. Le nouveau. C'est le nouveau. Alors, il y a pas mal de circuits qui changent dessus. Mmh. On a déjà parlé, on l'a eu en vidéo déjà. Ouais, ouais, non, avec, mais je l'aime bien. Donc, l'histoire du cabrig, hein, qui vient se rajouter sur ce. J'aime bien. Et une connexion USB-C. Voilà. J'aime bien. Bon, allez.
Tout clean. Fais péter. Fais péter tout clean. Micro-manche, hein. Centrale. Palette. Une belle palette de sons plutôt polyvalents. Hein, on va dire même fendérien. Eh oui. Hein, sur, dès que j'ai. Dès que stratoïdien. Ouais. Hein, franchement, c'est pas tant. Bah, on sait, là, tu sais, PRS, on sait, c'est des guitares capables d'aller boxer dans énormément de. Bah oui, on le dit à chaque fois, tous les styles musicaux, on va retrouver de la PRS parce que c'est tellement polyvalent que voilà. Voilà. Ouais. Alors, sans imiter évidemment les grandes sœurs. Mais oui. Hein, voilà, on a pas de PRS, mais une guitare capable de faire du blues, du jazz, après du rock'n'roll, et pourquoi pas aller charger avec aller hein, elle peut faire aussi. Je suis certain d'ailleurs qu'elle peut le faire. Tiens, justement, eh ben, il aime bien ça, lui. Il aime bien. C'était méchant ça! Bah oui, mais tu vois, elle est capable d'aller faire du méchant. Oui. Elle est capable de faire du blues, on l'a vu tout à l'heure, mais du jazzy, des petits trucs super sympas, pointus, des accords ciselés, et d'un coup, tu montes avec un ampli et tu la bourrines. Bah oui. Ça, c'est la grande force de monsieur PRS. Ça marche bien cette histoire. Bon, celle-là, je l'aime beaucoup. Ouais. Et on a décidé de lui mettre une petite copine qui fait partie de la même collection, hein, les collections SE Nouvelle Génération. Voilà. La 594, on avait vu la 594 McCarthy standard, et celle-ci, c'est la normale. Je fais une aparté. Ouais. Manche très facile à jouer sur ouais, d'accord. La violette. Bah celle-ci, elle est peut-être un peu moins facile à jouer. Et alors, du ouais, coup, tout de suite, le prends, et là, j'ai un manche vintage avec de la matière. Et oui. Là, ça y est, je me retrouve chez mon pote Gibson. Oui, bah, c'est ça. La McCarthy, c'est un petit côté bien sûr. Gibsonien. Même les micros sont pas les mêmes, tu vois. On est sur des 58-15 qui vont être plutôt typés. Paf. 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 T'as dit quoi? Paf. Je crois que t'es... Pas bien pour vacances, je crois. Les... Non. Oui, oui. Hein? Oui. Je crois que tu te reposes un peu, tu sais. Il faut. Ouais. Vraiment, tu dormes. Enfin, le matin, tu te lèves pas. Et le soir, bah, tu peux sortir un peu, mais pas trop non plus. Ouais. Faut vraiment que tu t'en mettes. Pff, ouais.
Parce que c'était dur là. Hein. Ouais, bah, je pense, avec toi là, c'était compliqué. Hein. Bon. Donc la PRS. Allez, on est parti sur la McCarthy. Ah, c'est tout, tu ne parles pas de la gratte, elle ne présente même pas, elle est moche, elle ressemble à rien. Allez, regarde-moi ça, c'est une magnifique finition en vintage sunburst flambé. Tu vois, 594 McCarthy. On est sur un tunématique stop bar, hein, qu'on connaît bien. Oui. Du palissandre, en oui. Touche. Une belle tête de McCarthy 594. Elle switch au, tu vois, et derrière, bah voilà, hein, ça ressemble à beaucoup de choses qu'on connaît, quoi. Bon, encore une fois, Indonésie. Eh oui, bah oui, même usine. 1050 balles. Ouais, ouais, ouais. 1050 ouais. Euros. Belle paire. Alors là, t'as vu, hein. Switch rich. Split. J'ai pas changé mon son, split. Hein. Allez, monte-nous ça un voilà. Peu. Sympa ça! Grosse palette aussi. Mais c'est vrai que le manche, le son, me rapproche plus de. Ouais. De la marque. Ouais. Le grand G là derrière toi. Le grand G qui est derrière moi, excusez-moi. Je suis plus dans ce monde là. Ouais, carrément. Alors c'est pas du tout. Dans ce monde là, mais je suis pas non plus. Hein. Voilà. Hein, je te rapproche. J'ai bien un truc qui est très PRSien. Mais le manche. Attention, les enfants, il peut embêter certaines personnes. Ouais, là, on est sur un truc un peu plus épais, quoi, avec voilà. De la matière. Là, j'ai de la matière, vraiment, je me retrouve. Ouais, ouais, tu sais, genre une 50 dans les pognes, hein, tu sais, ouais, bah, j'en serais pas loin. Hein. Une expo de 50, je serais pas loin du truc. Hein. Okay. Et c'est normal, parce que c'est McCartney. Hein. Excusez-moi. Si je charge un peu plus, qu'est-ce que ça donne? On va voir ça. Est partie en vrille. Ah oui. Bah oui, mais bon, elle sort du carton, ben, il tape un peu dessus. Et qu'est-ce qu'il arrive? Ben, il arrive qu'elle s'en va. Et oui. Elle nous quitte. Et oui. Elle se dit, les mecs, ça suffit vos conneries. Je retourne en Indonésie, parce que là, me faire tabasser comme ça, moi, sorti du carton, c'est pas mon job. Hein, c'est pas mon boulot. Nom de Dieu, nom de Dieu. Allez.
Elle a repris dans la tête. Ça, oui, là, c'est la partie, tu vois. J'ai ma corde de sol qui est partie. Mais bon, c'est marrant, ça me fait penser vraiment à une standard, quoi. Bah oui, quand les neufs, bah, ce côté-là. Hein. Sauf que si t'es allergique à la forme d'une standard, ou même au, voilà, si t'aimes pas Gibson Epiphone, et ben, t'as PRS qui propose ce petit bijou. Un petit truc qui change vraiment et qui fonctionne très bien. Je rappelle le prix, 1050 balles. Ouais. Excusez-moi, je tousse. Tu tousses. C'est pourquoi ? Parce que je fume plus. Mais je vois pas la logique, mais bon. C'est. Bon, dis-moi tout. Alors, est-ce que c'est l'heure de choisir ? Non. Si ? Si. Bah si. Non. Si ? Alors moi c'est simple. Moi, c'est simple. Il faut choisir la guitare. Bon, vas-y. Il nous fait. Ah ouais, la Quilted Top, est-ce que c'est ce qui vous plaît? Hop, il en remet un coup. Moi, je trouve qu'elle est. Je trouve, tu sais qu'elle a quoi? Elle a un petit truc à elle. Ouais. Je préfère les micros aussi. Ah, elle a un petit claquant. Ouais. Ah, j'adore, toi, plus qu'un arbre, oui. Elle a un petit claquant sympathique, hein. Ben oui, puis quand tu la charges un peu, ben, elle est là. Celle-là. Bon, John a choisi la Custom 24 Quilted SE. Ok. Moi, j'aime bien. C'est la plus chère, 1100. 1160 balles. Ouais, 1170 balles. Et moi, je vais aller voir là. Hop. Ah ouais? Celle-ci, là. Excusez-moi, juste d'ailleurs. J'adore le flammage qui se rapporte à son ramage de cette guitare. Pas plumage, ramage. Voilà, magnifique. Tu prends celle-là ? Magnifique McCarty 594, elle est pour moi. Je pars en vacances avec. Vas-y, explique-nous maintenant. Que je tousse. Quoi ? Que j'explique quoi ? Bah, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, eh ben, si vous voulez voir des vidéos avec moi et John, les battles du vendredi, comme celle-ci, et comme toutes celles que vous avez pu voir, abonnez-vous, comme ça. Ça nous permet d'acheter encore plus de matériel pour avoir un son encore mieux. Ou même du visuel un peu mieux, tu vois ? Ça nous permet d'acheter. Ah oui, d'accord, ok. Plus les gens s'abonnent, plus on grandit, plus on peut mettre les moyens dans cette chaîne. Mais on va finir comme Spielberg, de toute façon. C'est ça, c'est prévu. 150 personnes. Avec du traveling et tout ça. Ah bah oui. Hop, tu veux te balader, puis on verra tourner un peu partout, toi, sur l'Himalaya. John, on va le foutre sur l'Himalaya, effectivement. Voilà, ce que tu veux, voilà, pyramide de Gizeh. Alors du coup, on s'abonne sur la chaîne Hurricane Music TV sur YouTube pour suivre le Battle du vendredi! Et puis le live de Thomas le mercredi, le Guitar After Work! Et puis voilà, et puis après à la rentrée, peut-être qu'on fera autre chose, hein, en plus. En plus, ouais. plus. Hein. Excusez-moi, je tousse, mais bon, voilà. Ouais. Ça va s'arrêter. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Et on vous dit, ceux qui sont en vacances, hein. Ouais, profitez bien de vos vacances. Les pieds dans l'eau, là. Ouais. Tranquille, le petit château de sable et tout ça, la petite bisou le soir et tout, le petit apéro, en regardant quoi ? Et avec une musique TV. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton pour l'acheter et la faire revenir à la maison. Et puis après, vous passez de bonnes vacances en famille. Et puis surtout, reposez-vous bien pour revenir en pleine forme. Pleine forme pour la rentrée. Voilà. Ok ? Bisous. Allez, bisous, les enfants. Ciao, bye bientôt, bye. Ciao.